Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Entrepreneurs du Mansa, le premier de cette saison. Aujourd'hui, j'accompagne Ladji, qui est un conseiller funéraire. Bonjour Ladji. Bonjour Mansa. Ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, super. Alors justement, on va parler un peu de ton activité. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le transport funéraire ? Moi, c'est suite au décès de mes parents. J'ai perdu mon père en 2010 et ma mère en 2015, donc 5 ans après. Ce qui était compliqué en fait, c'était pour la partie transport et logistique. En France, tout s'est plutôt bien passé. Après, arrivé au Mali, il y a eu vraiment des difficultés, même par rapport à l'organisation, la partie administrative et toutes les démarches qu'il y avait à faire au Mali. Ça, c'était à l'aéroport. Ensuite, en route, on a eu des soucis avec le véhicule qui n'était pas adapté. Pour notre cas, nous, il y avait des bancs sur les côtés. Et puis, le cercueil était au milieu du véhicule. Pas de cellules réfrigérées, rien comme ça. Donc, pendant environ 17 à 20 heures de route. Au soleil à 40 degrés. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai créé ma société de transport funéraire au Mali. Si vous voulez, en fait, toutes ces étapes pour nous c'est important. Tout ça, ça fait partie du processus de deuil. Et pour que les gens puissent faire leur deuil tranquillement et plus facilement, il faut vraiment que tout ça se soit respecté. Est-ce que les gens ici dans la diaspora s'intéressent à ce qui pourrait se passer justement après le transport ou tu dois sensibiliser ? Et effectivement, il y aura un travail de sensibilisation, puisque les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe là-bas quand il y a un décès. Pour ceux qui sont restés ici, après là-bas, les gens ils ont l'habitude de ce qui se passe aujourd'hui, donc ce que je viens de raconter. Mais il y a quand même un travail à faire pour essayer d'éveiller les esprits. En tout cas, nous, pour notre part, on va essayer de sensibiliser au maximum la communauté malienne. Le but, c'est vraiment qu'ils prennent conscience, que vraiment respecter les dernières volontés du défunt, faire en sorte que le défunt en fait il puisse partir en toute dignité pour sa dernière route en fait. Et nous, ce sera notre but en tant que professionnel. Il y a aussi le travail psychologique d'accompagnement. Le but, c'est pas juste de transporter le défunt, mais c'est aussi d'accompagner après si possible. Tout ça, ça se prépare. C'est quoi les difficultés que tu as eues toi par rapport à ce que tu as l'habitude de voir en France? Parce qu'il y a on est en décalage par rapport à... Exactement. Comme c'était un projet dans le transport funéraire, j'avais pas beaucoup d'informations puisque le transport funéraire au Mali, c'est une profession qui est pas du tout connue. C'est beaucoup dans l'informel, c'est beaucoup dans le social. Malheureusement, j'avais quasi pas d'informations. J'ai dû faire des enquêtes, entre guillemets, sur Internet. Il y a des formulaires de questionnaires sur Google. Et il a fallu au bout d'un moment que j'aille sur place parce qu'il fallait approfondir en fait les recherches. Donc j'ai dû me déplacer là-bas au Mali 2-3 fois, sur des périodes d'un mois à chaque fois, pour faire mon étude de marché sur le terrain directement, aller au contact de la population, aller au contact tous les services. De tous les acteurs qui... Tous les acteurs, exactement. Donc les hôpitaux. Toi, tu as grandi ici en France. Quelles sont les difficultés que tu as eues pour lancer ton projet en partant au Mali? C'est une bonne question parce que j'ai eu des difficultés même à en parler avec les gens puisque c'est tabou. Pour nous ici, avec la plupart des gens ici, on peut en discuter normalement, il n'y a pas de souci. Au Mali, ils voient les choses différemment. Ils n'ont pas la même approche en fait. Ouais, les tabous qu'il y a, c'est des tabous religieux ou culturels? C'est plus culturel en fait. Les gens, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort et alors que, enfin, je veux dire, toute âme goûtera à la mort. Mais en fait, les gens, ils y pensent pas forcément. Ils y pensent pas, ils ont cette crainte. Je veux dire, j'ai eu l'expérience, je suis allé dans une société d'assurance et on m'a fait tourner un peu de gauche à droite. Donc du coup, le but, en fait, pour nous, ce serait de sensibiliser au maximum, notamment les anciens, qui, eux, gèrent tout d'ici. Le but, ce serait d'accueillir les familles là-bas correctement, tout en étant professionnel, de faciliter leur deuil en mettant tous les moyens en œuvre, le véhicule, les services, l'accueil, vraiment le contact humain aussi, c'est important quoi. Si t'as un message à délivrer en ce Nikkei, n'hésite pas, tu peux directement te adresser à nos spectateurs en ce Nikkei. Assalam alaikum, Hakila, Okula entreprise Nyamuni, Oga Selon, Oga Hurungarna, Oga Hurunganana, Nangiri, Aéroportunga. Nandaga ma villageinga, voilà mauvili begani filigongadi, tarurangadi soronga tarunu, voilà geli jamanga na gabo, ora mauvili tana louene soronga kapai ogi utu nandaga ma villageinga ko, voilà kiani, aranoari, assalamu alaikum. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Ladji d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour cette interview. Donc le site internet c'est adadia.com. Ensuite on a une page Facebook tout simplement Adadia. Et puis voilà, vous pourrez trouver toutes les informations coordonnées là-dessus.
J'espère vous retrouver pour une prochaine émission des Entrepreneurs du Mansa. À très bientôt.